Bienvenue à tous et à toutes sur MadVenture 2.0, ça fait extrêmement plaisir de se retrouver sur un nouveau MadVenture, c'est tout nouveau! Écoutez les amis, on est parti pour ce live sur MadVenture 2.0, pour l'ouverture de MadVenture 2.0. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Thiemo, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'avoir été invité à participer à MadVenture 2.0, merci à Mkolo. On va un petit peu donc se barrer, donc là... C'est le spawn et donc dans l'idée donc on va créer un village ensemble. On va créer un village ensemble avec les acolytes, donc un rapport avec le western du coup, ça va être bien sympa. D'ailleurs on va découvrir le spawn ensemble avant de partir eh bien à la quête du bois comme vous le voyez sur avec Thiemo. Alors vous voyez au niveau du spawn c'est un biome Mesa. Alors Mesa désert on sait pas trop. En tout cas voilà on est un petit peu frontalier au biome Mesa donc ça c'est sympa. Oh il y a un donjon, j'ai trouvé un donjon. Attendez, c'est un truc de ouf, j'ai trouvé un donjon. C'est trop mignon les petits villages comme ça en vrai. Oh là 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 là. Non mais là je suis riche. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est trop bien. What the fuck? C'est pas possible les potes, il y a un énorme village là-bas. What? C'est pas possible. C'est incroyable. Oh finaise. C'est fou cette série, putain, c'est incroyable. C'est un petit peu de la vulgarité mais c'est ouf. Il y a bien des animaux quand même là dans le coin. Ça c'est le seul truc que j'ai pas prévu. J'ai pas prévu suffisamment de bouffe avant de descendre. Mais il y a bien des animaux quand même dans le coin. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Oh là là. Non, bravo. J'ai du diamant. Et ça c'est grâce à Dragon. On met. Eh, je suis un gratteur ou pas? Oh, GG. Bon ben voilà. Des petits diamants. GG. Eh, Dragon Alpha m'insulte. Ah, je crois que il lui a volé. Je crois qu'il lui a volé les siens. Elle a raison. Hop, voilà, c'est ma maison. Vous moquez pas, dis donc, ça se passe. Pas mal de bouffe, franchement, là, dans les villages, avec les bottes de paille, on se met vraiment bien. Pareil pour les pommes. Tout ça, c'est des trucs que j'ai trouvé dans les villages. Je vais vous montrer un petit peu, du coup, niveau agriculture, un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, du coup, on a quelques moutons, on a quelques vaches que j'ai commencé à prendre pour, évidemment, faire les bibliothèques, faire les livres, etc., etc. Eh bien, je me suis construit une petite, un petit domaine, il y a même des sorcières, un petit domaine, une petite maison qui me permet de me défendre des attaques nocturnes, de vagues, de zombies, etc. Donc, pour le moment, c'est pas fermé. On va refaire là. On va refaire... Là, on va refaire là. Yes, c'est bon. J'ai réussi. On fera peut-être des lanternes, ce sera peut-être... Oula, 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 oula. Parce que entre les cactus et les creepers, je ne sais plus où donner de la tête. Super bonne session de minage, on a récupéré 18 diamants déjà. Alors, ça fait quoi? Il y a 50 minutes de live, ça fait une demi-heure combine, on a déjà 18 diamants, alors sans du fortune, je trouve ça vraiment pas trop mal. Allez, oh, c'est bon, allez, sautez dedans hein. On y va? Oh non, mais vous êtes sérieux, j'ai failli y aller. Non, y allez pas, bon de con. Mais mettez les yeux. Oh, le karma. Je brûle. Quoi? Vous poussez pas. Ah, c'est marrant de le faire tous ensemble quand même. Ouais. Ah ouais, j'ai pas pris de fiole pour les trucs. Ah tiens, t'es où? Bah y'a plus de temps en fait. Ah mais c'est une blague là. Prends des fioles, tu utilises un arc. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? On l'arrache. On l'arrache. Allez. Allez, l'épée, l'arc, salut. Oh là là. Faut qu'on le voit mourir quand même, hein, pas derrière une tour. Pas derrière une tour. Ils sont tous dissipés. Ouais. Il suffit de viser loin là. Ouais, il suffit mec, de. Mec, on parie. On allez, parie. je la tente. C'est bon. Oh, oh mec, à deux blocs. Il est super haut, mec. Genre, moi je suis arrivé à deux blocs. Amen, je suis pas allé assez loin. Oh si. C'est vrai. C'est bon. C'est bon. Ouais. Et puis, dès que tu trouves une deuxième forteresse, faudrait que tu me ramènes les élytras. Comme ça, après, derrière, on peut voyager ensemble vers d'autres cieux. Vers d'autres cieux, exactement. Voilà, bah écoute, je vais tenter. Hein. Et bah, adieu. C'est parti. Allez, à bientôt, mon Mkolo. Allez, bon voyage. Adieu. Oh, bon trop bien, ouais. Mec, bon c'est trop cool. Ah bon. Voilà, slash TPS. Mec, juste ici, t'as les élytras. Les élytras. Ah bah voilà, nickel. Regarde dans les coffres, mec, régale-toi. Bon, moi, niveau diamant, je suis bon, donc fais-toi plaisir. J'en ai 17, au final. Prends la pioche aussi et l'épée et tout, hein, parce que... Ah bah voilà. Oh là là. C'est parti. Pour l'instant, bon, je vois pas de méchants, perso. Ouais. Ah, ils arrivent, là. Où ça, côté nord-ouest. Côté nord-ouest. Ouais, pardon Anaïs. Ouais, mais au calme là. Mais en fait, ils sont chez vous. Moi, je suis à l'autre bout du village, je crois.
Bah là, on est tous les trois. On est tous les trois. Ah d'accord, genre, je suis là toute seule dans mon coin. Bah ah oui d'accord. Ah super. Attendez, on peut dormir là? Comme ça, après je sors. Ah t'es devant Anaïs, je pouvais pas tirer la flèche. Bah on arrive. C'est la fin de la vague. Ok. C'est bon, on y va. On retourne chez Marion du coup. Mais il y a une grosse vache. Mais où ça, une grosse vache? Non non, et ça, si ça tape, ça t'enlève la moitié des cœurs, les gars. Voilà, c'est bon. Oh nice. On est des violeurs ou pas? Bien joué. Bah je l'avais bien tapé là. Avant quand même. C'est bien nice, non mais tranquille hein. J'ai déjà tort. Quoi pour... Regardez, il y a la grosse vache. Wouah. Oh, merde. Mais c'est pas une grosse vache. Arrêtez de dire la grosse vache. Oh, j'ai ramassé une émeraude. Ah mince. Ah non, ça c'est nul. Oh ah. Mais non, on a réussi. Mais si, c'est trop bien. Hero. C'est trop bien. Of the village, c'est la première fois. Red victory. Wow. C'est stylé. Oh là, là. Donc là, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un squelette? Oui. Il y en a même deux. On va se cacher derrière l'autre pour éviter les dégâts. Oh, ah merde. Oh. Laissez-moi passer. Eh les petits potes, heureusement que j'ai fait un stuff en fer parce que là ça va vraiment être très 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 compliqué. Du coup j'ai déjà fait une première construction de maison, donc c'est entre une maison et une villa justement au bord de mer, donc je trouve assez stylé, je trouve assez sympa. C'est fait avec, à base de matériaux, alors attendez, c'est fait avec de la, comment ça s'appelle, de la terre cuite blanche, voilà, bon à l'écran ça ressort plutôt rose que blanche, mais bon c'est comme ça, et avec du quartz juste au-dessus et du bois sinon pour tout le reste. Là j'ai fait un petit portique avec, avec la cloche, on a le feu de camp. Ici, on a la descente à la mine, j'ai mis des petites barrières. Ça, c'est de la décoration surtout, mais du coup, j'ai fait un petit champ. Là, les lianes, elles ont poussé. J'ai rajouté quelques fleurs aussi. Je suis allée chercher des fleurs, j'ai rajouté des fleurs. Donc ici, on monte et là, on descend. Et en fait, il y a encore un autre étage. En fait, ici, vous voyez, il y a la petite plage. Donc avec les bateaux. Ok, donc ici, on a notre petit lac de lave, très bien. Oh oui, super, ok, on a notre premier diamant, putain, super, excusez-moi de la vulgarité, je suis trop content, punaise. Oh, c'est super génial. Bah écoutez, dans la suite des épisodes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser ce petit spawner pour se faire de l'XP full gratuit, on va le relier à la base. Écoutez, je vais mettre du unbreaking dessus pour l'instant. Oh bah fortune. J'ai fortune 1, super intéressant. Waouh! Ah oui, ça c'est avec les dauphins du coup. C'est quoi cette vitesse? Non, ça c'est lié aux dauphins. Bon, je sais pas trop si c'est Affinité Aquatique ou autre qui fait ça. En tout cas, c'est assez sympa. Ok, quelqu'un m'a troll. Voilà, quelqu'un m'a. Ah, pff, les enfoirés. Ils me les ont mis là. Alors, je sais pas c'est qui a fait ça, mais c'est très méchant. Ça m'a fait très très peur. Voilà, je me suis fait troller. On m'a enlevé mes diamants pour me faire suer. Et on l'a caché ici, mais voilà.